Salut, c'est Metal Blaze. Faut que j'arrête de chanter comme ça, moi. Bienvenue dans ce 6e épisode sur Medal of Honor Débarquement Allié. Nous sommes toujours dans la 3e mission du jeu. Donc ceci est la 3e partie de la 3e mission. Bienvenue dans l'épisode 6. Et donc nous revoilà dans les tranchées. Donc oui, je tourne à la suite du précédent et du pré-précédent épisode. Je sais même pas si ça se dit pré-précédent, mais qu'est-ce qu'on s'en branle à partir d'un moment. C'est pour ça que je suis sapé pareil, hein, si jamais vous posez la question. Ouais, donc ouais, on est dans les tranchées. You have Panzer... Panzer quoi? C'est bien, parce qu'au fur et à mesure, on débloque des armes dans les... Salut. J'ai oublié qu'il était là, lui. Bon, avançons. Alors, c'est bien, parce que je parle beaucoup, mais oui. On a un putain de lance-roquette. C'est quand qu'on a lance-flamme? Ah, bah ça, c'est le canon, du coup, qu'on avait pété. Ah, c'est des ennemis. Et il y a un tank en face! Oh sa mère! Funk! Utilisez le Panzer Shrek! Oui, j'ai compris, copain! Oh, c'est trop bien! C'est semi-réaliste parce qu'il prend du temps! Mais j'aime bien, l'autre il me donne des ordres. Attention, il te montre avec le doigt. Je disais, j'aime bien le changement d'arme. Ça donne un effet réaliste. Le problème c'est que c'est pas assez rapide. Ah, je sais, oui, ok. Si tu changeais d'arme plus rapidement, ça s'appelait la Call of Duty et ça aurait plus la même gueule. Faut que j'arrête de tailler Call of Duty, hein. Je sais que vous l'aimez votre jeu, hein. C'est des casques verts. Éclaireur de la 101ème. Capitaine Ramsey du 2ème bataillon de Rangers, content de vous voir. C'est des copains. Vous avez vu des lance-roquettes un peu bizarres dans le coin? Affirmatif, juste en bas de la route. Alors, à quoi ils ressemblaient? Eh bien, on les a pas vraiment vus, mon capitaine. On les a juste entendus de loin. Je n'avais jamais entendu un bruit pareil. Powell, vous passez devant! Comment ça, je passe devant? Mais à quel moment? Mais démerdez-vous! Franchement, merci pour toutes ces belles années, mais à partir du moment, il faut laisser ratio. Eh, ouais, on a des beaux décors, hein. Je peux même pas profiter des beaux décors, les mecs sont en train de me casser les couilles. Et... Oula. Oh, j'en prends pas le cul. À ne pas sortir sans contexte. Ça m'est... J'ai changé donc de vue. C'est parce que j'ai ma caméra qui arrête pas de bugger vu qu'elle est connectée à internet. Et vu que la wifi arrête pas de se déconnecter, et ben ça m'a saoulé. Voilà, ici il y a du monde. En face il y a une mitrailleuse. J'ai dit en face il y a une mitrailleuse et au même moment je recharge, excellent. Prudence. Hein? Oh. Prudence. Soyez très prudents. Les mecs sont blasés de la vie, on dirait moi. Ah les bâtards. Ah, j'espère que cet angle de vue est pas trop monstrueux pour vous. Non mais je vais rester là, je suis bien. Par contre, ouais. Alors j'aime bien un fusil, hein. Le problème c'est qu'on tombe très rapidement à sec. Oh, ça tire là-bas. Ça tire de là-bas. Je vais laisser mes potes faire. Faut y aller s'il vous plaît. Ouais, bien comment. Peut-être que je serai un peu plus face comme ça à la caméra. Ah, je suis trop haut. Ah, j'ai marre baissé. Ah. C'était le cri le plus viril de la chaîne édition 3. Oh, oh merde. Oh merde. Allez, là le tank, c'est mort. Thank you. Tâchez. Zéro mon, j'ai pas niqué, hein. Oh, ça sent encore le brûlé. Ça sent le strudel. On va lancer des grenades, hein. Pas trop chiant, hein. Tiens, j'ai encore lance-roquette, hein. Après, il se cache aussi. Allez, dans l'anus.
Ah non mais non mais non mais non mais c'est trop c'est trop c'est trop. Eh merde. Vraiment c'est classe hein, le jeu est beau hein. On peut pas passer. À mon avis il va falloir trouver un autre endroit. Ah je reconnais ça, c'est le RTX. Connaissez le RTX? Le Ray Tracing? Ouais bah là il y en a pas. Oh qu'est-ce que j'aimerais un remake de ce jeu. Enfin un remake, un remaster, je sais pas ce que vous voulez. Remaster c'est pas ouf, mais un remaster d'un jeu de 2002, ça va. Il va falloir faire des grosses améliorations quoi. Remake ça serait un tout nouveau moteur, ça serait ouf. Problème c'est que la licence Medal of Honor est un petit peu morte. Du coup, bah, pour avoir un remake sur Medal of Honor, eh ben, on pourra attendre autant qu'on veut, on n'en aura jamais. Eh, c'est sympa les pubs qu'il y a en plus. Surtout qu'on est en France, en fait, je réagis. Ah ouais, il y a même des Citroën. Eh. Ah. Non, ah, ah. Voilà, par là, par là. C'est bien, ça. Oh putain, et à zéro moment le jeu nous disait de passer par là. Hein. Je suis loin, mais je suis quand même à proximité quoi. Il y a juste un mur de pierre en face. D'où vient, ça vient d'où? C'est bien parce qu'on est dans un cimetière. Du coup, bah il reste plus qu'à les enterrer. Ah dommage, je vois pas ce qu'il y a écrit sur les tombes. Je sais pas, moi j'aime bien le détail. Non, parce que si c'est comme dans... je crois c'est Grand Theft Auto, je crois. Sur les tombes, il y a le nom des développeurs écrit dessus. Cœur du monde là-dedans. Voilà, tout à l'heure j'étais derrière ça en fait. Trop bien, on fait de l'urbex. Terrible ça. Aucune chapelle comme ça en vrai en urbex, je suis pas certain que j'apprécierais. Ça dépend de quelle chapelle en fait. J'ai plus de. Oh non, j'ai plus de mission Thompson. Non, non. J'aime bien parce que pour le jeu qui arrive pas à afficher plusieurs mètres devant lui, ce qui se passe c'est que bah y a un brouillard. Ça s'appelle j'ai pas eu le temps d'optimiser le jeu. Ce qui ressemble beaucoup à une phrase du joueur du grenier. Comment on fait pour passer? Ah lui il passe par là. Je vais faire comme lui. Et ben c'est ce qu'on va faire hein. On va contourner hein. Ça a l'air de marcher. Ah toujours nos potes avec nous. Bah ils ont l'air de savoir ce qu'on doit faire. Ah non tu le butes pas hein, parce que si je l'ai plus. Je sais plus où je veux aller. Oh non. Fallait pas mourir, fallait pas mourir j'ai dit. Mais il est mort. Ah, ah. Ok, je vois. Et ça fait un canon de moins. Et la caméra qui bug. Allô, ça va? Un deuxième canon. Voilà, j'ai pas été très loin, j'ai fait quelques mètres. Il y en a un deuxième là-bas que je peux avoir assez facilement. Voilà. Parfait ça. Parfait, il en reste encore un. Ouais, c'est ça. Je ne le vois pas. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Ah! Ah! C'est un terrain miné. C'est écrit minen. Ça va, c'est presque transparent comme mot. Pour une fois, j'arrive à comprendre l'allemand. Eh, la caméra, tu vas arrêter de bugger s'il te plaît? Je suis certain que le dernier est dans les coins là-bas. Bon, l'avantage, c'est que je peux plus me faire défoncer. Par... Oh la vache, j'ai fait traverser le champ de mine. Est-ce qu'on a encore des mecs quelque part? Oui, il y a des mecs. Salut. Salut, je ne fais que passer. Eh non, stop hein. T'as déjà tué tous mes copains? Allez. Franchement, merci pour toutes ces belles années, mais apparemment il faut canner. Hein. Est-ce qu'on a gagné? Ah, c'était long. Comme mon sexe. Non, c'était chiant parce que vous vous rendez pas compte, hein, parce que moi je vais faire des coupures dans le montage. Tout à l'heure, je fais que tourner, j'ai tourné 3 épisodes à la suite quand même. Et j'espère que c'est vraiment la fin de la mission 3. Stop, 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 pas, pas de briefing, non. Oui, ça y est, en fait, c'est enfin terminé. Oui, là j'en ai pas rien à foutre, je prends mon téléphone à la main. C'est très laborieux, hein, ce tournage, hein, entre le jeu qui bug, le jeu qui est trop dur, comme mon sexe. En tout cas, j'espère que vous aurez
aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, à commenter cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode 6 et puis de cette mission 3 du jeu. Et du coup, on se retrouve pour l'épisode 7 ou pour une prochaine vidéo. Allez, salut !